Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la proposition du défi du mois de mars. Donc j'ai regardé rapidement qu'est-ce qui se passait en mars. Et figurez-vous que le 9 mars, il y a la Journée internationale des femmes. Ouais. Donc, avant de vous dire quel va être le thème. Je vous rappelle que on est sur le défi du mois de mars. Donc le défi des dingos de scrap du mois de mars. Les dingos de scrap, c'est qui? C'est nous tous, d'accord? Si vous n'avez pas de chaîne active, il vous suffira de m'envoyer votre participation par mail, juste une photo ou deux ou trois, de votre création, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pour tout le monde. Et j'ai envie de dire que même ceux qui m'enverront ensuite autrement. Leur création, peuvent me l'envoyer en photo. Ça me permet ensuite de l'ajouter dans le diaporama qu'on fait après avec ma fille. Donc, défi des dingos de scrap. Dingos de scrap, c'est nous tous. Ceux qui n'ont pas de chaîne, en photo, par mail, je vous remets le mail en barre d'infos. Ceux qui ont des chaînes actives, eh ben, vous faites une vidéo qui doit être postée entre le 1er et le 31 mars. Réfléchissons. Oui, 31 mars. Bien entendu, il faut me faire un petit mail et me donner le lien qui va sur cette vidéo-là que vous aurez fait, d'accord? Tout ça par mail et là encore, c'est le mail que je vous mets en barre d'infos. Donc, je le répète pour tout le monde, le mail c'est 4surlatoile@gmail.com. Donc, pour les dingos de la première heure, vous savez qu'il y avait une autre adresse mail, celle-là, pour l'instant, on ne s'en sert pas. D'accord? Là, pour ces défis-là que je propose à tout le monde, je souhaite recevoir les mails sur la même adresse mail. Bah, par facilité tout simplement. Et donc voilà, donc je demande que ce soit à ceux qui m'envoient des mails pour me montrer en photo et partager avec nous tous ce qu'ils ont fait. Tout comme donc au dingo, les nouveaux et les anciens, c'est sur l'adresse mail 4surlatoile@gmail.com. Je vous la remets en barre d'infos. 4 avec 3 T, parce que régulièrement, il y en a qui me disent je comprends pas, ça ne t'arrive pas, mais si ça m'arrive pour les autres et que ça n'arrive pas pour certains, c'est que vous avez mal écrit l'adresse, tout simplement. Donc, il faut recommencer et vérifier que vous avez bien mis les bonnes lettres. Voilà, il n'y a rien de compliqué. OK? Donc, ça, c'est pour le petit récap. Hein. On est sur le défi du mois de mars. Et les dingos de scrap, c'est nous tous. Chaîne ou pas chaîne, j'insiste. Vraiment, n'hésitez pas à participer. Vous n'avez pas de chaîne YouTube, mais par exemple, vous partagez habituellement sur Facebook, mais vous avez envie, eh ben, vous faites sur votre Facebook à votre façon, comme vous faites d'habitude. Et puis, pour partager avec nous sur YouTube, vous m'envoyez vos photos par mail, tout simplement. D'accord? Pareil pour ceux qui partagent d'habitude sur Instagram. Eh ben, c'est la même chose. Vous voulez participer, il vous suffit de me faire ce petit mail, de m'envoyer les photos. Si c'est une vidéo, ben, de m'envoyer le lien de la vidéo. Mais clairement, voilà, c'est très simple. Comme vous le savez maintenant, pour ceux qui ont déjà vu et ceux qui participent, et puis pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez du 1er au 31 de ce mois-ci, donc du mois qui arrive, c'est mars, et à l'issue de ça, quelques jours après ou plusieurs jours après, je ne donne pas de date auparavant, parce que c'est en fonction de nos disponibilités à ma grande fille et à moi, et bien il y a une vidéo, moi j'appelle ça une vidéo parce que c'est le cas sur YouTube, c'est une vidéo, mais c'est. C'est un diaporama en fait de toutes les photos qui m'ont été fournies. Et ensuite, dans la barre d'infos de cette vidéo, je mets les liens de toutes les personnes qui ont participé. En général, je les mets dans l'ordre d'arrivée. Hein, voilà. Sauf erreur, c'est dans l'ordre d'arrivée. Comme d'habitude, voilà, nos prises de tête, c'est un petit moment pour se faire du bien. Hein. C'est juste une façon de scraper tous ensemble, de se donner du peps, l'envie et des idées, pourquoi pas. D'accord? Donc. Comme je vous disais tout à l'heure, au mois de mars, j'ai regardé quelles étaient les dates importantes et qu'est-ce qui se passait réellement. Et on ne va pas se mentir, on est quand même une majorité de femmes. Donc, je me suis dit que, eh ben, écoutez, puisque le 9 mars, c'est la journée internationale des femmes, eh ben, on allait scraper pour nous ce mois-ci. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'au mois de mars, vous scrapiez pour les femmes. Voilà le thème. C'est vaste. Donc, pour ceux qui ont besoin de plus d'idées, moi, personnellement, si on me dit ça, j'ai déjà plein d'idées qui me viennent, mais c'est moi. Donc, je vais vous aiguiller, mais après, vous partez vraiment sur ce que vous voulez. C'est Journée internationale des femmes. Je trouve que ça devrait être tous les jours, mais bon, puisque c'est le 9 mars, on va en profiter. Par exemple, je sais pas si pour vous, c'est quoi une femme, hein, donc, moi, j'ai envie de vous dire qu'une femme, pour moi, c'est dans un premier temps quelqu'un qui fait tout.
Donc, vous allez me dire, sur une créa, on fait comment? Bah, sur une créa, vous pouvez mettre de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Une femme, c'est quoi? Normalement, c'est la gentillesse, la douceur, l'amour, etc. Donc, vous mettez quoi sur une carte? Bah, peut-être des couleurs les couleurs qui vous traduisent ces sentiments-là. Alors là, je vous parle de cartes, mais clairement, comme je sais que tout le monde ne fait pas des cartes et que tout le monde, voilà, moi, sur le support, assez rarement, je vous donnerai un support réel parce que je sais que j'ai des gens qui vont faire des mini, il y a des gens qui vont faire des choses qui sont autour du junk, des livrets, des carnets, des junk réellement. Il y a des gens qui préfèrent les cartes, des ATC ou ce type de choses, Memory Dex et autres. Voilà, moi je vous dis, en mars, on va créer pour les femmes, donc création autour de nous, des femmes. Il y a des couleurs pour, par exemple, moi, une femme, c'est, bien qu'on ne le soit pas toutes, moi la première, je ne m'habille pas avec ces couleurs-là, mais par exemple, une femme, c'est très féminin. On a l'image dans l'imaginaire, on peut se dire que ça peut être très féminin, femme, féminin. Donc les couleurs féminines, bah, ce serait du rose, du blanc, bah, et des couleurs toutes douces. Bon, ce n'est pas franchement mes couleurs au quotidien, mais pourtant c'est dans mon scrap, ça l'est. Donc moi, je m'habille en noir, en bleu marine, en marron. Enfin, vous voyez bien, hein, dans mes vidéos. Si de temps en temps, je mets une petite couleur peps, mais en général, c'est juste une pièce sur tout le reste est noir. Donc voilà, après ça dépend de chacun. Voilà, l'idée c'est que vous représentiez en créant ce qu'est pour vous la femme. Ça peut être tout simplement un buste, ça peut être plein de choses. Vraiment, je vous aide là, hein. Je vous aide. Je sais pas, un buste, voilà. Je me comprends quand je dis ça, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont tout de suite tilter. Donc pour celles qui ont des machines de découpe. Une femme, c'est quoi? C'est les fringues, c'est voilà, plein de choses. Voilà, à vous de voir. Ok? Donc le support, hein, j'insiste là-dessus. C'est vous qui voyez une carte, un carnet, un junk, ce que vous voulez. Vraiment, laissez libre cours à votre imagination et à vos envies surtout. D'accord? Donc vous scrapez ce que vous voulez. Carte ou pas carte, c'est vous qui voyez. Ok? Donc voilà, vous avez du 1er au 31, j'attends vos mails avec en barre d'infos, vous me mettez. Non, pas pardon, pas la barre d'infos. Dans le. Attendez, je cherche mes mots encore une fois. Et encore là, ça va, j'ai pas trop cherché. L'objet, vous mettez défi de mars, d'accord? Je vous réexplique pourquoi. Parce que clairement, ben voilà, il y a plein de choses qui sont en cours sur la chaîne et c'est chouette. Et ça me permet surtout à moi, en fait, de trier les mails par catégorie. Donc j'ai tous les mois, je crée un intercalaire, disons, et il y a eu défi de janvier. Tous les mails qui viennent et où il y a l'intitulé défi de janvier, hop, ils parlent dans cet intercalaire-là. Et c'est plus facile pour moi ensuite. Défi de février, ça a été pareil. Par exemple, là, en ce moment, il y a aussi Diego. Vous me demandez souvent son adresse. Donc, ce que je fais, c'est que dès que j'ai des mails, hop, je les balance dans l'intercalaire Diego. Et donc, comme ça, quand je me mets sur mes mails, ben, je fonctionne par catégorie pour gagner du temps. Et voilà. Et donc, en sachant que les défis, c'est un truc que je vais m'occuper que en fin de mois, normalement. Voilà, ils partent dans l'intercalaire. Du coup, ils désencombrent ma boîte mail. Et c'est plus facile pour moi. Juste, je précise quand même que je ne répondrai pas à tous les mails. Hein. J'avais commencé à le faire en janvier. C'est juste pas possible. J'espère que vous le comprenez. C'est pas de la mauvaise volonté de ma part, mais sincèrement, les journées n'ont que 24 heures, on ne peut pas être partout. Et si vous prenez ne serait-ce que 10 minutes à chaque personne, ben, ça me prend beaucoup de temps. Alors, je le ferai avec plaisir si je pouvais. De temps en temps, je le fais, hein. Donc, il y a des réponses, mais pas systématiques. Voilà. Et ne m'en veuillez pas. Okay? Mais de toute façon, vu que les intercalaires ne sont pas tout de suite effacés, pourquoi pas, vous recevrez peut-être des réponses qui datent de janvier ou de février, alors que vous êtes en mars. Voyez, pourquoi pas. Voilà, mais de toute façon, l'objectif, c'est que je vois vos créations. Après, quand il y a des questions, des choses comme ça, j'essaie d'y répondre. L'objectif, c'est que dans un premier temps, je regarde vos créations et ensuite, on les partage avec tout le monde. Et ça, c'est un pur bonheur parce que vraiment, vous êtes tous plein d'idées, plein de bonnes idées. Voilà, donc continuez à vous éclater si ça vous plaît. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je ferai une création sur ce thème quand même, voire peut-être plus, on verra bien. Voilà, donc, du 1er au 31 mars. Le mail, c'est dans barre d'infos 4 sur la toile. Vous m'envoyez soit les photos qui correspondent à votre création. J'insiste, je vous donne qu'un thème. Que ce soit une carte, une ATC, une Memory Dex, que sais-je, une ATS, une page, que ce soit un mini-album, que ce soit un junk journal, que ce soit un carnet, que ce soit ce que vous voulez. D'accord? Et ensuite, ceux qui font des vidéos, ben vous m'envoyez toujours pareil un mail avec le lien. D'accord? Et surtout, mettez-moi bien défi de mars. Voilà, c'est assez important pour moi. Parfait.
pour mon organisation. Et puis surtout pour ne perdre aucun mail. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui fait que j'arrive à jongler avec tout. D'accord? Donc voilà, je vous ai présenté votre petit défi de mars. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous aurez plein d'idées, que vous me surprendrez, que vous nous surprendrez. Et puis je trouve que, ben oui, de temps en temps, il faut qu'on se mette à l'honneur, nous les femmes. On ne le fait peut-être pas assez. Hein? Bon, en Europe encore, on n'est pas trop à plaindre, même si. Mais voilà, faisons-le pour nous toutes mondialement parlant et aimons-nous les unes les autres. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour le tuto du jour. Bisous.